Alors, bon, contrairement à ce que l'on dit, il n'y a pas de sol mort en France. De toute façon, il y a des microbes tellement partout que je ne connais pas un endroit qui puisse être qualifié de mort. L'état des sols en France, il est entre des bonnes et des mauvaises nouvelles. Il y a des mauvaises nouvelles, il ne faut pas se le cacher. D'abord, le sol, il a été intensément labouré. Et qui dit labour dit, premièrement, le sol ensuite il est nu et déstructuré, érosion. 10 à 20 fois plus d'érosion. Donc ils sont en train de disparaître, nos sols agricoles. 2, comme on aère, c'est une fonction du labour, les bactéries respirent plus, il y a moins de matière organique. Ensuite, ça abîme la vie, ça abîme les filaments de champignons, on sait très bien que ça tue les plantes puisque ça désherbe, on sait aussi que les oiseaux mangent les vers de terre après. Or, la vie des sols, c'est elle qui transforme la matière organique et les matières minérales en fertilité. Donc ça abolit la capacité du sol, ou ça la réduit en tout cas, à être fertile de lui-même, et ça appelle des engrais. Bien. Donc le premier problème, c'est le labour. Le deuxième grand problème, ce sont les intrants. Ces intrants, en quelque sorte, supplée ou accélère les fonctions des sols, mais de façon un peu moins efficace. Alors, il y a les intrants, les engrais minéraux, qui vont permettre de nourrir la plante. Alors, le problème, c'est que le phosphate des engrais minéraux est contaminé au cadmium. Donc ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle, qui fait que les Français mangent 1,4 fois plus de cadmium que prévu. Deuxièmement, ces engrais, ils ont un énorme coût de synthèse et de transport, donc ils contribuent à l'effet de serre, hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, ces engrais, on en met beaucoup, donc ils fuient dans les nappes et ils ont des effets de bord sur les eaux continentales ou sur les eaux littorales, si on pense aux marées vertes en Bretagne. Enfin, ces engrais, ils disjoignent la plante des champignons du sol qui habituellement viennent nourrir la plante. Alors, si on résume tout ça, on se retrouve avec des sols qui sont beaucoup moins vivants, beaucoup plus dépendants de l'homme et en train de disparaître par érosion sous nos yeux. Mais le verre n'est qu'à moitié vide. Quand on regarde en termes de biodiversité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'espèces qui ont disparu dans les sols à cause de tout ça. Simplement, leurs effectifs sont en train de cracher. On est à l'aube d'une vraie extinction dans nos sols. Et en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs n'ont pas fait des catastrophes à court terme. Ils préparent des catastrophes à long terme. Mais à court terme, ils ont fait des gestes qui n'étaient pas aberrants. Et si on commence à regarder un petit peu le mode d'emploi des sols, on peut se préparer un meilleur long terme. Il est encore temps de faire mieux. Alors effectivement, il y a plusieurs écoles, on parle d'agriculture bio-régénératrice, d'agriculture régénératrice, d'agriculture durable, d'agroécologie, de permaculture, d'écoculture, tout ça c'est des termes qui regroupent en fait des pratiques et des philosophies déjà d'une part et des pratiques agricoles qui sont censées être plus vertueuses que le modèle classique des 10 ou 50 dernières années. Mais par contre, il y a tout un tas de nuances entre ces différentes approches. Donc, le modèle bio-régénératrice, qui est donc le modèle choisi sur la ferme pour les années à venir, c'est un modèle déjà qui intègre le cahier des charges de la bio, donc un cahier des charges européen, transformé, traduit au niveau français par le fait de ne pas intégrer de pesticides dans les cultures. Toutes les pesticides d'origine chimique, en tout cas les phytosanitaires, ceux-là sont interdits. Ça, c'est un postulat de base, un socle de cette agriculture-là. Et ensuite, le terme régénératrice, c'est l'idée qu'on puisse vraiment nourrir le sol, nourrir la biodiversité, redonner toute une place et un cortège à chaque groupe d'espèces de la vie du sol, sous-sol, sur le sol et aérienne, de manière à ce que notre agriculture elle puisse être produite en lien avec la nature, et pas simplement à côté ou contre la nature. C'est bien l'idée d'être avec la nature. Comme dans l'agriculture régénératrice, on ne laboure plus les sols, on va avoir des mauvaises herbes. Et c'est vrai que pour gérer les mauvaises herbes, on va les enlever avec des produits chimiques. Alors que dans l'idée de l'agriculture biorégénératrice, c'est d'arriver à ne pas labourer, mais de gérer en tout cas les mauvaises herbes qu'on aurait via des couverts végétaux de haute qualité qui prendraient le dessus. Donc en fait, l'agriculture biorégénératrice, ce serait pas labourer, mettre des couverts végétaux de haute qualité
et idéalement de l'agroforesterie, tout ça en se passant de produits d'herbicides. C'est des gens qui entreprennent de changer de pratique et de régénérer les sols. Alors, ce mot de régénération, il a une valeur transitoire parce que rapidement les sols vont fonctionner normalement, du moins c'est ce qu'on espère. Bon, il y aura sans doute des optimisations à faire, mais ce qui se cache derrière l'agriculture régénérative, c'est l'envie de repasser à un mode de fonctionnement où c'est le sol lui-même, et en fait la vie dans les sols, la vie microbienne, la vie animale, qui font la fertilité et le fonctionnement du sol. En fait, c'est une branche de l'agroécologie, au fait. C'est-à-dire comprendre comment ça marche, l'écologie, pour faire de l'agronomie. Et donc ça, c'est la parcelle où on va faire les tests d'agriculture biorégénératrice. Voilà, donc ça, c'est une des deux parcelles. Tu viens, ouais. On a une parcelle qui est située sur l'îlot principal, donc sur le Mont d'Or, et une autre qui est située à vol d'oiseau à 1,5 km plein nord. Et donc on vient avec finalement le partenariat que tu m'as proposé avec SOCAP, on vient planter cette parcelle-là. Dès cette année, on démarre le volet agroforestier. Quoi. Donc là, non-labour, couvert végétaux et agroforesterie. Voilà, voilà. Donc le non-labour, si tu te souviens bien, on va quand même garder un témoin. Sur les 5 hectares, on va garder un hectare en labour, de manière à pouvoir comparer les deux systèmes. Allez, la comparaison, elle portera jusqu'à la récolte. Et donc, il faut qu'on ait un témoin qui soit suffisamment gros, de manière à ce que la dynamique de calcul derrière garde du sens. Quoi. Alors la conversion, on l'a faite en 2018. Ça a été l'objet d'une réflexion. On avait des pratiques qui ne nous convenaient plus, et notamment sur des productions de légumes. Vraiment, là, ça a été le déclic. On a dit non, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Alors je dis « on » parce que je ne suis pas tout seul. Hein. Je travaille avec un salarié qui va reprendre l'exploitation. Et ensemble, on a réfléchi sur l'avenir de cette exploitation céréalière. Et on a décidé de la convertir à l'agriculture biologique. Et donc ça a entraîné une modification totale de notre raisonnement et de nos pratiques, forcément. Et puis aussi, on est dans une région où le bio se développe et on voyait des voisins qui avaient fait leur conversion et qui arrivaient à des résultats techniques et des cultures qui étaient tout à fait respectables, quoi. Si à un moment donné, je pensais que c'était quelque chose d'inatteignable, je me suis dit, si les voisins y arrivent, pourquoi moi, j'y arriverais pas? Et après, historiquement, il y avait une agriculture qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, qui est très en pointe sur protéger les sols et pas labourer, mais qui n'est pas bio. Et à côté, on a l'agriculture biologique qui est très en pointe sur ne pas utiliser d'intrants de synthèse, mais qui était parfois, enfin pas tout le temps en tout cas, au fait de moins de travail du sol. Et là, l'idée, c'est de combiner en fait le meilleur de l'agriculture de conservation des sols et le meilleur de l'agriculture biologique pour donner ce qu'on pourrait, pour essayer d'arriver à cette agriculture biorégénératrice. Concernant les pratiques économiques ou l'aspect économique, forcément, lorsqu'on fait la conversion, on met en place des pratiques de l'agriculture biologique, donc sans intervention de produits phytosanitaires, d'engrais. Donc nécessairement, la conséquence, c'est qu'on a une baisse un peu de rendement. Et cette baisse de rendement, il faut qu'elle soit compensée par un prix un peu plus élevé, quoi. Pour qu'économiquement l'équilibre se fasse et qu'on ait une marge positive. Si on n'a pas de marge positive, le système ne peut pas fonctionner. Donc les premières années, c'est compliqué parce qu'on applique le système bio. Donc on enregistre une baisse de rendement, mais pendant 2 ans, on commercialise nos produits dans la filière conventionnelle. Donc avec des prix qui sont moindres par rapport à un prix bio.
Donc les deux premières années, ce sont des années qui sont difficiles, qu'il faut bien anticiper avec une trésorerie suffisante sur l'exploitation pour pouvoir encaisser la baisse des marges, quoi. Moi, je sais que ce système-là, chez nous, on a réussi à le mettre en place. Le challenge maintenant, c'est de le pérenniser dans le temps. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était possible, alors que on s'imaginait, moi je m'imaginais comme une montagne infranchissable, quoi. Il y a eu quelques années où je me disais non, c'est pas à ma portée, quoi. Mais en fait, si, c'est possible. Donc il faut le pérenniser. Et le faire sur notre exploitation, c'est déjà, en soi, c'est déjà une satisfaction. Sur le plan purement économique, je vais me replacer 10 ans en arrière, au moment où j'ai fait la conversion en bio. Alors, ce n'était pas bio-régénératrice à l'époque, c'était une approche bio, mais c'était déjà un pas vers cette agriculture bio-régénératrice. Quand mon père, qui était encore présent sur la ferme en gros coup de main, a pu partager avec moi les chiffres d'une simulation d'une conversion à la bio, il était bluffé en fait. Il ne croyait pas que le fait de passer en bio, avec des récoltes moindres en termes de volume, mais pas si différentes que ça sur certaines cultures, dans la mesure où on changeait un peu le mode de culture. Par exemple, il y avait plus de blé quasiment fait sur la ferme, mais plutôt des lentilles, des légumineuses, un peu de tournesol de bouche, enfin tout un tas de productions destinées à l'alimentation humaine, qui sont mieux valorisées, dont une partie est vendue, transformée et vendue en direct. Donc tout le changement de ce modèle, finalement, rendait et a montré que 10 ans après, le modèle est nettement plus viable économiquement parlant. Sur l'exploitation, aujourd'hui, on a fait des essais par rapport au SMI sous couvert, SMI direct. On fait des essais parce que on peut pas se lancer comme ça. Et on a un peu, quand on investit au niveau d'un bâtiment d'élevage ou on investit dans du matériel, c'est long à payer. Aujourd'hui, c'est très lourd à l'achat. Il nous faut des résultats. Il faut un résultat tous les ans pour arriver à payer ça. Un résultat, on va dire régulier, quoi. Mais là aujourd'hui, on est dans une période un peu de crise parce que la consommation bio diminue. C'est lié au coût de la vie qui fait que les gens diminuent leur part dans l'alimentation et le bio, en pâtit, quoi. Donc, on va voir comment ça évolue. Il faut de toute façon qu'il y ait un équilibre économique. S'il n'y a pas d'équilibre économique, c'est pas durable, on ne peut pas continuer. Je trouve que quand on regarde les enjeux aujourd'hui qu'on connaît, les moyens alloués financièrement à la mise en place sur le terrain sont beaucoup trop faibles. Il faudrait qu'on ait une allocation, des moyens financiers beaucoup plus importants pour que les agriculteurs aient les moyens d'adopter des pratiques régénératrices. Il faut beaucoup plus de financement sur le sujet. Je ne suis pas agriculteur et je ne suis pas non plus un spécialiste d'économie agricole. Mais ce que je veux dire très fort, et ça c'est vraiment un truc important, c'est si ça ne paye pas, alors c'est à la société de payer. Je m'explique. Ça a des fonctions écologiques, l'agriculture régénératrice, de conservation, toutes ces agricultures qui prennent soin des sols et des écosystèmes, elles ont une fonction. Elles entretiennent les stocks en eau, elles évitent d'avoir des eaux potables polluées par des pesticides ou des engrais. Elles limitent l'érosion, donc elles augmentent la durabilité des sols. Elles stockent du carbone, donc elles sont bonnes pour le climat. En fait, elles permettent aux agro-systèmes de remplir plus de fonctions écologiques qui sont bonnes pour l'homme. Donc, si jamais c'est pas rentable, moi, je m'en fous en tant que citoyen, je veux que ça ait lieu. Donc, je paye. Alors, cette idée de payer pour l'agriculture, en fait, on paye déjà pour l'agriculture. L'agriculture, c'est près de 150 euros par an pour chaque Européen par le biais de la PAC. Donc, on paye déjà. Maintenant, j'aimerais qu'on, démocratiquement, décide pourquoi on paye. Et que peut-être même on paye plus. Mais pour une agriculture qui a ses fonctions. Donc, la question de la rentabilité, elle se pose si on laisse crever l'agriculteur tout seul, dans son coin, avec sa décision de faire une autre agriculture plus vertueuse.
Or, en fait, c'est une décision collective, et bien sûr, le poids doit être, le financement doit être collectif si jamais c'est pas rentable. Donc pour moi, le fait de poser la question de savoir si ça va être rentable ou pas, c'est une non-question. L'agriculture ne produit pas que de la bouffe, elle produit des services écologiques ou pas. Et quand elle produit des services écologiques, bah peut-être qu'il faut les rémunérer aussi. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que ça va nourrir, la question de dire ça doit nourrir, comment on va financer ça, jusqu'à quel point c'est autofinancé. Ma part, je pense que l'élevage y est pour beaucoup. Parce qu'avant, dans le temps, il y avait de l'élevage dans toutes les fermes et on ne parlait pas de sol qui était mort. Enfin, on ne parlait pas de tout ça alors qu'on travaillait aussi bien la vie du sol. Et je pense qu'aujourd'hui, pour ma part, je pense que les sols qui ne vivent plus sont un peu dus aussi au fait qu'il y ait de moins en moins d'élevage. En fait, ce qui fait vivre la vie du sol, c'est tout ce qui est effluent. C'est tous les effluents d'élevage, hein, c'est tout ce qui est paille, fumier, lisier, c'est un peu ça qui fait vivre une vie du sol. Et il y a d'autant plus une place pour la viande qu'elle a deux fonctions par rapport à l'agriculture, c'est-à-dire par rapport à la culture végétale. Un, elle va permettre de faire du fumier, qui va permettre de ramener au sol de l'azote, du phosphate, donc des engrais. Donc le fumier, c'est un apport de matière organique en tant qu'engrais, mais aussi de matière organique en tant qu'agent de structure, de rétention d'eau et de nutrition des microbes du sol. La deuxième grande fonction, c'est que si on laboure plus, eh ben, on désherbe plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Un des trucs qu'on peut faire dans beaucoup de circonstances, c'est de tondre avec des animaux. Et c'est la deuxième grande fonction du bétail, c'est la fonction, sinon herbicide, du moins de gestion des couverts. Donc, les deux grandes fonctions du bétail, c'est le fumier, qui amène de la matière organique et une forme d'engrais, et la gestion des couverts végétaux. Et c'est vrai qu'on voudrait aujourd'hui retrouver un système de polyculture élevage où partout, un agriculteur qui fait des plantes peut s'appuyer sur un agriculteur qui élève les animaux. Une des motivations de passer dans cette agriculture bio-régénératrice, c'est l'autonomie. C'est-à-dire c'est de gagner en autonomie et d'être moins dépendant des systèmes financiers, bancaires, donc des systèmes de semenciers, des systèmes de mécanisation, enfin de toute l'industrie qui fabrique les engins divers et variés du monde agricole. Le paysan aujourd'hui, il est une espèce de petite main au service d'un système agricole, agroalimentaire, qui le dépasse, en vrai. Et il n'a pas beaucoup de levier. Pas beaucoup de levier pour regagner de l'autonomie, c'est-à-dire pas être simplement au service d'un système. Donc clairement, ce modèle agricole, avec l'agriculture bio-régénératrice, elle vise une plus grande autonomie, donc un épanouissement plus fort du paysan, ça c'est sûr. Redonner de la cohérence et du sens à son métier et produire pour valoriser en local ce qu'il a envie de produire. Donc je pense que dans tous les modèles à l'échelle de la planète, on va retrouver les deux cas de figure, des choses vertueuses, des choses qui ne le sont pas. En gros, le modèle occidental, avec toujours plus d'engrais, toujours plus de pesticides et toujours plus de machines, c'est le modèle qui n'a pas de suite. C'est-à-dire que ce modèle-là, il doit revoir sa copie intégralement. Après, tous les autres modèles vivriers, ils peuvent améliorer certainement une partie de la fertilité, de leur capacité à produire, à condition effectivement de ne pas reproduire les erreurs qu'on a pu faire nous, ça c'est sûr, et d'aller vers des choses beaucoup plus respectueuses de l'humain et de la planète. Sur cette logique d'agriculture régénératrice, il n'y a pas besoin de mettre tout le monde d'accord. En fait, il faut que chacun trouve son modèle qui, selon une lecture du fonctionnement des écosystèmes, va être vertueux. Mais chaque écosystème a sa propre logique. C'est-à-dire qu'aller parler de fonctionnement de la vie du sol dans des territoires au Sahel,
et sur en jungle équatoriale, ça ne va pas être tout à fait les mêmes dynamiques. Donc à partir de là, on va adapter une approche, on va adapter des systèmes, on va voir des... Par contre, ce qui ne va pas changer, c'est la préoccupation de la densité, l'abondance, la qualité de la vie du sol. L'objectif final, c'est que l'outil de travail puisse perdurer et voire s'améliorer. Donc qu'on soit en capacité de produire un peu plus, enfin mieux, c'est-à-dire éventuellement en se fatiguant un peu moins pour certains, éventuellement en ayant une meilleure productivité, mais surtout en faisant que derrière nous, on ait un outil de travail qui soit en meilleure santé en fait. Alors moi, je pense qu'il faut une transition agricole et alimentaire. C'est-à-dire qu'on doit vraiment aller vers une agriculture de type agriculture biorégénératrice au niveau de la production. Mais je pense que pour qu'il y ait une transition plus large, il faut qu'elle soit agricole et alimentaire. Je le disais tout à l'heure, il faut manger beaucoup plus de légumineuses, en tout cas de végétales dans l'assiette. On parle de beaucoup comment produire, mais si on continue à occuper la moitié de la planète pour faire du soja, enfin la moitié des terres arables sur la planète pour faire du soja et du maïs, bah, on a un problème de toute façon d'occupation des terres pour les élevages, donc ce qui n'est pas du tout viable. Donc mieux produire, mieux manger, et si on mange plus de végétaux, bon, on libérera une grande partie des terres sur la planète pour faire autre chose, quoi. On peut mettre des légumineuses, retrouver des prairies, des forêts. On a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'extinction. Juste, les espèces sont en train de s'endormir parce que leur population crache. Ce qui est inquiétant à terme, hein. Mais elles sont là. Réveillez-les. Plantez. Et faites comme les anciens avec les bactéries fixatrices d'azote, entretenez le fond. Aujourd'hui, si on reprend la fontaine, hein, où le laboureur dit à ses enfants « labourez », ben non, on ne laboure plus. La fontaine moderne, il dira « plantez ».